L'importance du livre est fondée sur la défense des savoirs que notre société estime injustement être inutiles. Donc la littérature, la musique, la philosophie, l'art et surtout les bibliothèques, les fouilles archéologiques, les archives d'État, toutes ces choses sont estimées inutiles. Pourquoi? Parce que ne produisent pas de profit. Eh bien, le livre est une défense des savoirs estimés injustement inutiles parce que c'est à travers ces savoirs que la société peut devenir plus humaine. Aujourd'hui, c'est très important de rendre l'humanité plus humaine. Nous avons une humanité égoïste, nous avons une humanité concentrée sur l'argent. Eh bien, la littérature, la musique, la philosophie, l'art nous aident à aimer la gratuité et nous aident à aimer ce qui est désintéressé. C'est pour ça que les classiques sont très importants. Et c'est pour ça que je dis que les élèves doivent lire les classiques à l'université et à l'école. Et aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus, les élèves ne lisent pas directement les classiques. Quels sont les classiques que j'ai aimés? Je peux dire Giordano Bruno, je peux dire l'Arioste, le Roland Fourier, je peux dire le Don Quichotte de Cervantes. Mais je pourrais rajouter aussi Shakespeare et d'autres poètes. C'est une liste énorme que je pourrais aujourd'hui lire à mes lecteurs. Mais les classiques sont très importants parce que les classiques essayent de nous faire comprendre le monde dans lequel nous vivons et de nous faire comprendre nous-mêmes.